L'honorable député Nyokan. Nyokan, il est là. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sallallahu ala Nabi al-Karim. أنا اليوم نختير شوي نتكلم بكلام البلدان يسوع ما ماني خبار منه شوي نختير توف الناس يقود عالمين يلي نختير نقول الانستيتيشن السنة وذاك C'est une chambre qui a fait l'objet d'un roulement. C'est une chambre de roulement qui a été créée depuis le 20 juillet 91. Cette chambre de roulement a subi une perturbation au cours du trajet par suite de beaucoup de d'événements qui sont liés au bon déroulement même de la constitution du pays. Parce que on a subi beaucoup de secousses qui nous a permis d'être en retard par rapport à la légalité. C'est-à-dire on est rentré dans un cadre d'illégalité. Et c'est très clair. Les événements passés ont eu à le confirmer. Il y a eu beaucoup de reports d'élections qui sont liés à cela. Donc, avec ces reports, ça nous a permis d'être à des chevauchements qui font que, même si les gens était dans l'impossibilité de pouvoir organiser des élections. Certains sont volontaires de donner des perturbations et des prétextes pour allonger leur mandat. Mais dans la réalité, aujourd'hui, on sait que tous les sénateurs sont en position de fin de mandat, de ce qui a été stipulé auparavant. Donc, dans ce cas précis, personne ne se sent victime de le raccourcir ou bien de lui courter sa durée de mandat. Personne ne se sent victime. Ce qu'il faut, peut-être, c'est d'engager une procédure qui nous ramène aux normes de la légalité. On ne peut pas continuer éternellement à suivre une logique irréelle. Je voulais dire tout simplement que cette loi, elle doit être votée pour la simple et bonne raison, ça nous permet de revenir à la légalité. Il doit être voté pour mettre fin au désordre passé. Mais si on continue toujours dans la même logique de anticonstitutionnelle, ça va nous pénaliser après. Ce qu'il faut, c'est de mettre fin à cela et créer une loi organique qui nous permet d'aller au-devant. Et par rapport à cette série de séances A et B et C, là, la série A a été tirée, il ne restait que la série B et la série C. La série B et la série C, ce sont les derniers qui ont été visés ici par la loi. Donc personne n'a subi le tort ni l'injustice. Ce qu'il faut, qu'il y ait eu un changement. Ce changement Chokran, merci, monsieur l'honorable député. Je vous remercie et vous invite aussi de voter.